Je cours le Calvados, effectivement, avec Akakaba. C'est une pouliche qui est ravissante, qui a des tissus exceptionnels, qui est très signée par son père, Acclamation. Et c'est une pouliche qui a l'air d'avoir un petit peu de galop. Je pense que la dernière course est un peu en demi-teinte à la teste. Je pense qu'elle s'ennuie un petit peu, trois fois sur l'hippodrome de la teste. Je pense qu'elle avait un peu compris la musique. Il était temps de l'enlever et que le meeting arrive pour pouvoir l'amener ici et qu'elle voie autre chose et qu'elle se réveille un petit peu. Elle est arrivée ici, elle est montée en puissance au fil des semaines et elle arrive à point pour ce week-end. Soir va courir le fond européen et j'espère avec une bonne chance. Elle est très belle et puis on y passe du temps avec elle. On a un peu de contact un peu plus qu'avec d'autres chevaux parce qu'elle est compliquée et on se donne du mal pour que ça se passe bien. Donc si ça se passe très bien dans cette course, il y aura une grande fierté de toute l'équipe pour se donner du mal avec cette pouliche. C'est une pouliche assez facile à monter, donc en course, elle n'a pas spécialement de caractère. C'est le matin qu'elle est pas facile. Elle est pas, elle fera à 3 ans. C'est une pouliche que j'aime beaucoup, qui a loupé ses débuts à Chantilly. Elle était toute molle. Je pense qu'elle a pas tout compris. C'était moyen. J'étais un peu déçu. Et puis après, ça a été beaucoup mieux. Elle a gagné en 3 foulées à la test. Voilà. On tente les fonds européens de l'élevage avec elle. Bien sûr, c'est des éleveurs, le propriétaire. Il faut toujours avoir cet esprit en tête de promouvoir l'élevage et ses courses de black type. La pouliche est bien. Je pense qu'elle a pris en maturité. Les mois faisant, la pouliche commence à être bien mature et commence à s'endurcir.